Vous ne dites pas que je mens. Vous ne menez pas une politique écologique. Vous ne dites pas que je mens. Le président de la République l'a dû lui-même. Il a évolué sur les questions écologiques et depuis le début de ce quinquennat, il y a des choses qui ont été réalisées. Le bilan en matière écologique de ce quinquennat, c'est l'arrêt des permis d'hydrocarbures. Le bilan écologique de ce quinquennat depuis deux ans. Mais pardon, vous le dire, mais je ne mens pas, monsieur. Je ne vous insulte pas, vous ne m'insultez pas. On s'écoute, c'est bien commencé, on s'écoute et on se répond. C'est un départ. Je ne vous insulte pas, je vous respecte et vous me respecterez de la même manière, monsieur. Pardon ? Non, mais est-ce que vous acceptez l'idée qu'on vous conteste ? Et vous me respectez. Madame, j'en ai assez de votre langue de bois. Vous ne menez pas une politique écologique. Vous êtes le pire gouvernement productiviste. Vous fermez des lignes ferroviaires aujourd'hui qui permettaient notamment de transporter des marchandises. Vous êtes le gouvernement le plus menteur à ce sujet. Alors arrêtez au moins ce soir, soyez dignes. Y compris les électeurs vous mettent à un score qui devrait vous permettre au moins de vous poser la question. C'est une sanction. Vous l'avez vu, entendu ça ? Et vous triomphez depuis tout à l'heure. Franchement, excusez-moi, vous êtes insupportable. Je vous le dis, madame. Ce qui est insupportable, c'est de considérer que les Français sont dans un état de minorité intellectuelle. Parce que, pardon de vous le dire, le rempart contre le Front National, aujourd'hui, ce soir, autour de cette table, c'est La République En Marche et ses alliés. Moi, je n'ai pas installé le duopole en 2017. Le duopole, il s'est installé parce que les Français l'ont voulu ainsi. Et donc, aujourd'hui, ils nous ont redit la même chose. Le fait que nous soyons opposés ce soir au Front National, comme nous l'avons été opposés au premier tour de l'élection présidentielle, ça n'est pas un choix que nous...